Je voudrais, avant qu'on rentre dans les questions sur le vif du sujet, mon cher Paolo, que tu puisses situer un petit peu pour ceux qui découvrent l'Angola. Est-ce que tu peux en quelques mots dire où c'est et la culture, les ethnies qui s'y trouvent, et peut-être deux mots sur l'histoire de l'Angola pour qu'on puisse situer déjà en termes de culture dans quoi on se trouve? Voilà, donc l'Angola est dans la partie sud de l'Afrique. On est à environ 13 degrés de latitude et on parle le portugais parce qu'on a été colonisé par les Portugais qui sont arrivés ici en 1482 et on a eu notre indépendance en 1975, le 11 novembre. C'est un jour férié ici, comme en France, à cause de la Première Guerre mondiale. Et voilà, donc on a vécu après une guerre civile qui a duré presque 30 ans. On a retrouvé un peu pas vraiment la paix, mais les armes se sont montées en 2002, avril, 4 avril 2002. On est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, vraiment, vraiment, vraiment riche en termes de ressources naturelles. Jusqu'à quelques années, on produisait presque 2 millions de barils d'huile par jour. Donc, ça nous a donné un boom économique vraiment très fort. Économiquement, on croissait très, très fort. Mais après, quand en 2015, il y a eu la chute du prix du pétrole, on est un pays qui a du mal en ce moment économiquement. On a du mal. Et c'est un peu ça. En termes des ethnies, donc, il y en a plusieurs ethnies. On estime avoir 50 et quelques, ou même 60 et quelques dialectes. Mais par contre, le portugais, c'est quand même la langue principale véhiculaire en Angola. Tu peux parler portugais partout, du nord au sud. Donc, notre province la plus au nord, c'est Cabinda. Et la plus au sud, c'est Cunene et Namibe. Moi, je suis de Luanda, c'est la capitale. De Luanda capitale, qui est aussi le centre, un peu le centre urbain et culturel du pays. En termes d'ethnie, on a les principaux ethnies. On a au nord les Bakongo, donc l'ethnie Bakongo. Moi, je m'y trouve. Moi, je suis un Mukongo, donc c'est le singulier des Bakongo. Après, il y a les Mbundu. C'est lié à la Kizomba, Simba aussi, donc les Mbundu. Et il y a les Lunda Tchoko et il y a les Ovimbundu qui sont quand même la majorité des Angolais. L'Ovimbundu, c'est plus centre-sud. Après, aussi les Kwanyama. Donc, on a vraiment, vraiment plusieurs ethnies. En termes de peuple, on est principalement des Bantous, d'originaire Bantou. Donc, on a quand même migré du centre vers le sud. Et il y a aussi une ethnie Khoisan au sud de l'Angola qui sont des vrais, vrais autochtones de l'Angola. Ils sont des Khoisan. Et les Bantous, tous les autres Mukongo, tous les Bakongo, les Mbundu, ce sont des gens qui ont migré vers la région qu'on appelle maintenant l'Angola. Avant, c'était le royaume du Congo. Presque toute la partie de l'Angola, c'était le royaume du Congo. Et après, ils ont perdu contre le Portugais. Ils ont changé, c'est devenu Angola. C'est un vrai mélange de peuples, des ethnies. Heureusement, notre pays n'a pas beaucoup de guerres ethniques, il n'y a pas beaucoup de questions ethniques. C'est quand même un peuple spécial dans ce sens par rapport au reste. C'est que, par exemple, moi, si je retrouve un Angolais, je n'ai même pas envie de savoir quelle est sa ethnie et tout ça. On va se parler en portugais. C'est ça. On se comprend direct, principalement pour des éléments qui nous unissent et pas de nos différences. Ça, c'est une particularité du peuple angolais. Moi, j'ai vécu D'accord. à l'extérieur, quand même 5 années de ma vie, j'ai vécu en France et j'ai retrouvé beaucoup d'Angolais et je ne sais pas d'où ils sont ethniquement. Donc, on ne donne pas beaucoup de poids aux ethnies. On est très ouvert. On est très ouvert à. Aux autres, quoi. On est très ouvert, hein. Même entre nous, on est ouvert et on est ouvert aux cultures des autres aussi. Je crois que c'est pour ça qu'on mélange pas mal de choses et c'est pour ça qu'on a la kizomba, les Ok, langues. Voilà. très Les bien. Ah, transitions. ben oui, et puis ça dépeint un petit peu l'état d'esprit aussi, je trouve, par rapport au sujet dont on va parler. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question.
Lorsqu'on aborde un style de danse en termes de connaissances, la première chose à laquelle on est confronté, c'est le nom de ce style de danse. Donc je voudrais que tu expliques à la personne qui va prendre son premier cours, par exemple, le mot kizomba. D'où vient-il? Quelle est sa signification? Son étymologie, s'il y a et si bien sûr il y a lieu de détailler le mot kizomba, et qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, bref, kizomba ça veut dire fête, joie, okay. Kizomba ça veut dire fête, et fête dans le sens que tu peux imaginer les grandes fêtes qu'on avait, c'est un mot du Kimbundu. Ok, Kimbundu, donc c'est la langue d'ethnie des Mbundu. Les Mbundu qui habitent la partie qui entoure Luanda et Luanda aussi. Bon, géographiquement, c'était le royaume d'Ndongo et le royaume d'Ndongo principalement. Donc, la langue qu'ils parlent, c'est le Kimbundu et Kizomba, ça veut dire fête dans cette langue. Donc, quand on va organiser une fête, on organise une Kizomba. Okay. Ouais. Donc il ne faut pas réfléchir à la danse, c'est juste vraiment le fait d'avoir une fête, une célébration. C'est ce que ça veut dire. Initialement, c'est les gens vont se... Donc tu peux imaginer que ça vient depuis toujours, quoi. Depuis que la langue existe, il y a une confraternisation, il y a une fête, voilà, on a une kizomba. C'est un mot qui est dans la culture, alors je vais résumer et généraliser, angolaise, quand même depuis très longtemps. J'ai envie de dire depuis une humanité classique, ce qu'on appelle une humanité classique. C'est un mot qui est présent avant même qui est le sujet dont on va parler, qui est le style de danse. Avant la danse, avant la musique, le mot était déjà là. D'accord. Ouais. Très bien, très bien. Alors, pour le coup, donc le mot est présent dans la culture. Maintenant, on arrive à un style de danse. Il y a un moment donné où... pour nous, ici, Européens, on définit, avec le mot kizomba, un style de danse. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'il y ait un style de danse? Est-ce que c'est un style qui est lié à une communauté particulière? Est-ce que c'est un style qui est lié à la totalité du peuple de l'Angola? Ou est-ce qu'on peut donner la naissance, la création de ce style à quelques noms, quelques personnes, un groupe de personnes très précis? C'est un mélange. C'est un mélange. Principalement, je dirais, c'est un truc de Luanda. Ça a commencé. Donc, je disais au début de la présentation de l'Angola, Luanda, c'est la capitale culturelle aussi du pays. C'est la capitale, donc, en termes urbains et culture, la plupart des choses... Ah, on a un problème de connexion. Si, quoi. C'est lié à quelques personnes qui ont quand même osé lier ce qu'ils faisaient à ce nom, mais les gens faisaient quoi. Parce que il faut séparer un peu danse et musique. Ok, c'est un truc simple et complexe en même temps. Je vais essayer de faire. On va trouver. On va faire un lien. Dis-moi. Oui, donc déjà, la musique, ouais, c'est un mélange. Ce qu'on va appeler musique kizomba, quand j'ai discuté avec le roi même, Eduardo Paim, donc il écoutait, comme je disais, on est très ouvert à la musique des autres origines. Et à un moment, bon, on a quelques génies de temps en temps, quoi. Des gens qui sont vraiment doués. Donc, il est tant de ces gens qui est exceptionnellement doué. Il écoutait de la musique, notre musique, quoi, notre semba. Il écoutait notre kilapang, il écoutait nos rythmes, notre kazukuta. Mais quand même, il écoutait aussi de la musique qui est très similaire à la nôtre, la musique des Antilles. Donc, le compas, le pékin, la cadence. Donc, c'est en ouvrant le spectre, la façon de jouer notre semba, la façon de jouer les instruments, qu'il a quand même ouvert la façon d'intégrer plusieurs choses dans la façon de jouer. Donc, la musique qu'il a quand même créée, à un moment donné, un de ses danseurs, qui est quand même un des noms
des grands danseurs de la Kizomba, c'est Bibi, je crois que c'est son neveu aussi. Et là, ils ont choisi de donner le nom Kizomba. Okay? Mais ça, c'est par rapport à la musique. Donc, tu vois que la Kizomba, ça vient d'un mélange de les jeunes qui avaient une nouvelle message à passer. On a eu notre indépendance en 1975. La Kizomba est née fin des années 60 et début des années 80. Et on n'était pas exactement en guerre contre le colon. Donc, le semba, c'était principalement le message de libération contre la colonisation. C'était les problèmes sociaux et tout. On transitait dans une phase de paix, de fête, de beaucoup de fêtes et tout. Et donc, les jeunes, toujours les jeunes, ils essayaient de faire des choses différentes en termes musicaux. Et c'est là que les jeunes mélangeaient les sons qu'ils écoutaient, qui avaient plusieurs origines. Les sons des Antilles. En fait, Paolo, si je peux me permettre, est-ce que, si tu me dis si j'ai raison ou pas, juste avant que ça prenne la dimension, le nom dans la danse et la musique Kizomba, avant ça s'appelait Passada, c'est ça? Je continue à parler que de la danse. Que de la musique. Après, je vais parler de la danse. Ok. Donc, la musique, strictement, donc c'est ça, c'est ce mélange de rythmes qu'on avait ici, donc le semba, la kazukuta, le kilapang et tous les autres, avec le rythme qu'il écoutait, des coupés cloués, les aiglons, donc le cadence, le compas, le begin, c'est là qu'il a quand même changé la façon de jouer pour être plus ouvert. Et aussi, le changement technologique, quoi, les instruments, avec la kizomba, avec un synthétiseur, c'est ça que c'est dit. Le synthé. Exactement. Donc, quand même, c'est aussi l'évolution en termes des instruments musicaux qu'ils pouvaient mélanger. C'est de là que vient la musique qu'on va appeler Kizomba. OK? C'est de ce mélange. Alors, pour le coup, avant que tu passes à la danse, je propose qu'on mette un extrait, si tu veux bien, puisque tu es en train d'en parler, de Eduardo Paim. Mm. Tu peux jouer deux, s'il te plaît. Tu peux jouer. Bien sûr. Es moi die. Et Processo da Banda. Ça serait cool. D'accord. Alors, on va commencer par Es moi die. Alors, attention, écoutez bien. Donc là, c'est Eduardo Paim. Eduardo Paim, Es moi die. Est-ce que vous entendez la musique? On a l'image, mais on n'entend pas la musique. Vous n'entendez pas? Hop, on va passer par un autre biais. Excusez-moi, tous ceux qui suivent en live, c'est le côté technique. Hop, j'y suis, c'est le moment. Alors, on va commencer par Eduardo Paim et Esemadi. Hop là. Donc, je peux continuer à parler, Jérémy? Jérémy, baisse un petit peu, comme ça, Paolo, il explique. Yes, on t'entend. J'ai baissé. Donc, là, Eduardo est en train de mélanger des rythmes carnavalesques angolais, de l'Angola, avec sa création, et c'est ce mélange-là qui donne un truc différent. C'est pas kazukuta, mais c'est quand même lié à la kazukuta et c'est kizomba. Donc il faisait des rythmes comme ça beaucoup avant. Il a quand même sorti des chansons. Il a sorti des chansons début des années 90. Mais il faisait des choses comme ça beaucoup, beaucoup avant. Okay? Son premier truc s'appelait Carnaval et c'est de 1981. Et après, avec les SOS, et ils ont aussi sorti un truc, c'était en 83. Donc c'est quand même très 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 ancien. Ça a le même âge que le zouk, environ. Ouais. Donc tu peux jouer maintenant Processo da Banda. Yes, alors j'ai trouvé Processo. Alors je ne veux pas écorcher votre culture. Je ne vous ferai pas l'affront
de le prononcer. T'inquiète pas. D'accord ? Je ne ferai pas ça. Ça ne se fait pas. Donc, et on ne se moque pas de moi. Pour ceux qui sont en train de regarder ce live, d'accord ? Je découvre une culture en même temps que vous. Donc... Ah. Ça, c'est aussi une chanson. Ça, c'est toujours sur Eduardo Paim. Paulo Flores de Paim. Ok. Hop là. Ouais, donc, avec cette chanson, le message que je veux faire passer, c'est enrichir. D'abord, je vous ai dit qu'il y a les instrumentaux qui étaient nouveaux et à jouer avec le... On appelle organ, c'est le keyboard, en anglais keyboard. Piano, le keyboard, un clavier. Exactement, exactement. Et donc il y a quand même tous ces instruments qui sont pas liés directement au cymba. Au cymba, c'est principalement la guitare qui a remplacé les instruments plus traditionnels. Et après, il y a quand même le batouk qui est le plus important, c'est pour la percussion. Et par contre, pour la kizomba, il y a quand même un changement des instruments avec lesquels on va faire le rythme. Et après, ils sont jeunes, ils veulent parler des choses différentes que la révolution contre la colonisation. Et avec cette chanson-là, donc, on avait quand même le carnaval depuis toujours, c'est la plus importante manifestation culturelle qu'on a dans notre pays. Mais avec cette chanson, Processo da Banda, c'est pour dire que la kizomba, elle a quand même gardé le côté, la kizomba musique, elle a quand même gardé le côté intervention sociale. Le message de cette chanson, c'est un peu la problématique sociale qu'ils avaient avec les filles, la façon de s'habiller, les problèmes dans les relations. Donc, c'est un peu comme le cymba et un peu comme la rumba angolaise qu'on faisait dans les années 70, OK? Mm-hmm. Donc, ça, c'est pour élargir le spectre. Et tu as vu que la vitesse de S. Madié, elle est beaucoup plus accélérée, environ 120 BPM. Et avec Processo da Banda, on est dans les 80, 100, quoi, 100 BPM. Donc, ça descend ça, un petit peu, effectivement. Ça élargit le spectre de la musique kizomba. La musique kizomba, elle donne plus d'ouverture, c'est plus de liberté que la musique Semba, Kazukuta, nos musiques propres à nous. Donc maintenant, propre à nous, mais elle n'a pas commencé propre à nous. Elle a commencé comme les jeunes qui voulaient faire un truc, ils ont été critiqués, mais après on a accepté et bon, les autres anciens ont accepté. Mais jusqu'à maintenant, je te dis que jusqu'à maintenant, même ici dans le pays, c'est la vision principale que je te passe, on a quand même des gens qui sont des intellectuels, des scientifiques musicaux qui n'acceptent pas. On a ça aussi, OK? D'accord. Il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui disent que c'est pas, bah, ils n'acceptent pas la kizomba comme un style. On a des gens très 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 connus, des gens très importants dans le cymba qui n'acceptent pas. C'est pas ma vision, c'est pas la vision de la plupart des gens, mais il y a des gens comme ça. Donc, d'accord. Donc, la musique, pour situer un petit peu là dans le tableau, j'essaie de résumer. Hein. Vous avez une musique traditionnelle qu'on peut qualifier de traditionnelle, qui est le semba, d'accord, qui est la musique bien propre au pays Angola. Et oui, grâce à l'influence d'autres musiques et l'ouverture musicale d'une nouvelle jeunesse après 75, il y a eu la naissance de cette musique qu'on appelle kizomba. Oui. D'accord. Maintenant, du coup, je fais le lien, on a la nouvelle musique kizomba. Alors, bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on résume, il y a sûrement beaucoup plus de détails. Vous avez le nom de notre intervenant, vous avez les noms qu'il a cités. Je marquerai après les noms des artistes que j'ai fait passer en vidéo. Vous pourrez aller chercher un petit peu plus loin. On va aller sur le lien par rapport à la danse, du coup.
puisque Cathy a intégré le nom Passada, est-ce que tu peux nous donner le détail de qu'est-ce que c'est Passada et le lien avec cette musique qu'on appelle Kizomba? D'accord, là ça devient un peu plus difficile d'expliquer le début. quand, parce que là il faut dire, c'est quand même une danse de pair en Afrique, en Angola. D'accord. C'est quand même pas trop évident, quoi, les Africains avoir des danses de couple direct. C'est spécial en Angola et d'autres provinces portugaises de l'époque. C'est quand même quelque chose de particulier par rapport au reste de l'Afrique, à avoir une danse de couple aussi, parce qu'il y avait beaucoup de interconnexion entre toutes les provinces portugaises. Donc on a quelques provinces portugaises en Afrique, il y a je peux t'expliquer quelques. Donc on a Mozambique, Cabo Verde, Guinée, São et Saint-Tomé et Angola. Tous ces pays parlent portugais et ils ont quand même une liaison culturelle aussi, parce que des fois des gens de Cap Vert venaient ici, des gens d'ici allaient à Mozambique. Il y avait un partage, comme le colon essayait de gouverner ses provinces. Donc on n'a pas, on n'a pas un début de quand on a commencé à danser de façon couple, ok? On n'a pas vraiment un début. Le plus proche, le plus ancien que je peux te dire, c'est qu'on a trouvé des éléments de notre danse, la umbigada, la masemba, c'est le touche des nombrils, la touche des nombrils. Donc les gens dansent quand même séparés, et après à un moment il y a le touche des nombrils, et ces valeurs, la valeur de la danse, c'est une danse où le chevalier va essayer de conquérir la fille par sa posture, par son élégance, il faut être fort, quoi. Il faut être un chevalier, quoi. Et ça est là depuis toujours, même jusqu'à maintenant, rien n'a changé par rapport à ça. Mais elle n'est pas initialement une danse de couple. Donc quand ça a transité vers rebita, c'est l'adaptation que les maîtres des maisons ont donné à cette danse, qui était principalement des autochtones. Donc ils ont converti pour danser en salon avec la rebita. Donc les garçons est habillé comme un Européen, avec un smoking un peu comme toi, quoi. Et les filles vont quand même garder ces vêtements des pagnes traditionnels, des pagnes, la façon traditionnelle de s'habiller. La fille va être à la gauche, le chevalier à droite, ils vont faire un rond, et ils vont quand même continuer à faire les touches des nombrils avec la quand le rythme demande, et quelques moments ils vont quand même en couple, et ils vont quand même faire des pas ensemble, ok? Ils vont quand même faire des pas ensemble. Donc la théorie qu'on a la plus ancienne pour maintenant, c'est celle-là. Mais historiquement, on a aussi des gens qui disent qu'aux années 20-30, aux années 40, on dansait des danses de couple déjà à Luanda. On dansait des danses de couple. Et le nom a changé depuis toujours. Le nom change toujours, ok? Par exemple, la dernière fois que j'ai discuté avec Maître Pechou, c'est quand même une référence pour la danse et des études de danse et tout. Il m'a parlé de Bayan aux années 40 à Luanda. Moi, j'ai parlé avec mes anciens ici, mon beau-père. Il m'a dit qu'ils dansaient le tango aux années 60. Il y avait le tango aux années 50 en Angola. Mais tout a changé à partir des années 60, parce que le semba, initialement, ce n'est pas une danse de couple. Donc, nos danses de carnaval, ce sont des danses individuelles, ok? Oui, le semba initialement, ce n'est pas une danse de couple, c'est une danse individuelle. Mais le rythme, donc au début, le semba, si on va parler de semba qui est devenu connu
c'est avec Liceu Vieira Dias, c'est le grand maestro, le leader de Ngola Rhythm. C'est lui qui a converti avec la guitare, essayer de jouer les sons des instruments plus traditionnels, ok. Donc c'est lui quand même qui a c'est un génie aussi. Comme Eduardo Paim, c'était un génie à l'époque, fin des années 60, début des années 80. Liceu Vieira Dias, fin des années 40, il a quand même donné une autre dimension à notre musique simba. Quand jouait avec des instruments traditionnels, il a quand même converti avec la guitare. Donc, la musique que Ngola Rhythm chantait, après, quand ils ont venu le Kiezo aux années 60, c'est devenu plus dansante. Donc, cette danse-là, le couple condensé à d'autres rythmes depuis un peu, depuis on ne sait pas quand, en Angola, on commençait à danser sur le simba. OK? Donc, on a commencé à faire des pas. La danse, c'est faire des pas. Cette danse est caractérisée pour marcher ensemble. Elle est vraiment, vraiment simple. Oh. Moi, je te dis, on va dire, ouais, c'est Paulo, t'es angolais, tu danses Kizomba, donc tu fais la pro. Tu l'as dans le sang, forcément. Mais je te dis, Jérémy, c'est la danse la plus puissante au monde. Évidemment, oui. Ça, je veux bien te croire. Alors, petit détail pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, petit détail, juste tous les noms qu'il est en train de donner, je ferai au maximum pour mettre des liens dans les commentaires, d'accord ? Pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tout comme moi, pour certains, vous êtes confrontés à une langue que vous ne connaissez pas et vous ne voulez pas forcément aller chercher des mauvais liens, donc on essaiera au maximum de mettre des références dans les commentaires pour que vous puissiez aller plus loin dans vos recherches si vous avez envie. Bien, continue, Paolo, tu étais en train de nous dire. Oui, donc voilà, c'est ça. J'ai parlé d'Ngola Rhythm, de Liceu Vieira Dias et le changement de la musique. Donc le simba, la musique, c'est intervention sociale, c'est lutte contre le colon, voilà, c'est la souffrance du peuple. Et la musique a commencé à être plus riche avec les Kies, avec Jovens de Peuple. Donc il y a d'autres groupes qui sont venus et la musique simba a sacrément changé. Et la danse de couple qui existait depuis on ne sait pas quand a été adaptée à ces rythmes. Okay? Donc le simba qui était initialement une danse de carnaval, en petit parenthésis, aujourd'hui c'est le carnaval ici en Angola, et on a eu le défi des groupes qui ont principalement prêté hommage à simba et à kazukuta, donc nos rythmes quand même traditionnels. Ils dansent de la façon vraiment ancienne, individuelle, avec un roi, avec... Voilà, mais nous, aux années 60, on dansait le simba en couple avec, en faisant des pas, d'une façon très simple. La fille, le garçon, comme en couple, ils marchent ensemble avec le garçon qui guide. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle passade. Donc, OK. Le nom a changé. Le nom aussi a changé. Passade, c'était le nom. Et c'est le nom, on va dire, qui est le plus correct pour ce qu'on danse. C'est passada angolaise, quoi. C'est la passada de l'Angola. Donc dans ces années 60, on a adapté le simba dans ces rythmes, mais on continuait à danser à des rythmes des autres origines. Voilà, on avait aussi le compas dans les années 70. On avait la rumba congolaise. Je te dis même que les grands orchestres, quand ils venaient en Angola, ils cherchaient des grands danseurs angolais. Et donc, la danse a quand même évolué avec une génération spéciale. D'accord. Cette génération spéciale, parce qu'il faut expliquer que ce n'est pas comme maintenant qu'on peut mélanger facilement un truc du Brésil, un truc de République dominicaine, un truc de France, parce que tu vas regarder sur YouTube et tu auras accès à des différentes façons de danser. Avant, ces jeunes, ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas l'électricité. Et ils avaient juste quelque chose dans leur qui leur permettait de bouger, de danser. C'était une caractéristique particulière. Et on a eu donc la génération de Mateus Pelé do Zangado, qu'on va dire c'est le père de la danse angolaise, de la danse de couple angolaise. Cette génération qui a commencé à faire des concours,
qui ont quand même créé des pas, ils ont beaucoup enrichi la façon angolaise de danser la passade. C'est vraiment, vraiment spécial parce qu'après eux, très peu a changé. D'accord. Très peu. Donc, on parle des années 70, quand ils dansaient la rumba, parce que Matheus Pelé s'est connu comme roi de la rumba. Et c'est la même danse que le samba qu'on dansait aux années 60. Et c'est censé être la même danse qu'on dansait avant. Donc, c'est un processus. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas lier ça à une personne. C'est quand même un environnement spécial qui a permis l'évolution de cette façon de danser en couple. C'était Luanda principalement, mais c'est quelque chose qui existe partout en Angola. L'Angola, c'est le seul endroit au monde, je peux te dire, que tu vas retrouver cette façon de danser partout dans le pays, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu vas retrouver cette façon de danser partout et tu peux danser avec une fille de 4-5 ans comme tu peux danser avec une madame de 80 ans. Quoi. Moi, je fais ça. Ok, moi je danse avec ma belle-mère qui a presque 74 ans. Je danse avec sa sœur plus âgée qui a presque 80 ans. Moi je danse avec mes nièces qui ont 5-6 ans. Et je danse avec ces dames qui sont vraiment très 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 âgées de la même façon quoi. C'est la même danse. La danse n'a pas changé. C'est juste que le jeune il rajoute un peu de un peu de salsa, un peu. Ils ont l'air plus. Et donc, c'est ça que je veux parler maintenant, parce que là, on va rentrer dans la kizomba comme danse. Donc, okay. La passada était toujours là. Il y a la première génération qui a quand même changé, qui a changé la façon de danser. C'est la génération de Matheus Pelé dos Angados. Et si je dis Matheus Pelé dos Angados, je dis aussi Joana Pernambuco, c'était ça. Sa partenaire, on a perdu Matheus Pelé en 2012, début 2012. Et on parle de João Cometa, on parle de Jacques Rumba, on parle de Didi Damain Preta. Donc, ce sont les noms d'une génération qui dansait beaucoup parce que les conditions sociaux permettaient, il y avait des endroits spéciaux pour danser, cette façon de danser angolaise. Pas à pas, la passade angolaise qu'on adaptait plusieurs rythmes. Les rythmes antillais, les rythmes congolais, les rythmes angolais, comme le samba, comme la rumba angolaise, la rumba congolaise, les rythmes des latins, donc merengue, on dansait sur le merengue, on dansait. C'était un peu comme ça. Donc on adaptait notre façon de danser, on évoluait notre façon de danser. Sans intervention externe parce qu'on n'avait pas les moyens de voir comment les gens dansent le compas, par exemple. Comment les gens dansent la salsa, c'était pas, peut-être le nom c'était pas salsa à l'époque, mais bon, on va appeler les plaines, comme on dit ici en Angola, les choses d'équivalent, ces rythmes-là de Gloria Estefan, ces rythmes des grands danseurs des l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, et on s'adaptait. Après, d'accord. Début des années 80, c'est là que les jeunes, avec la musique nouvelle, se sont quand même, ils ont quand même changé la façon de Matheus Pelé et sa génération, qui était très classique, très, très correcte, avec la bonne posture, très, très propre, on va dire très propre. Et donc, les jeunes, ils ont rajouté un peu de théâtre. Là, si je parle des jeunes, on va parler, par exemple, de Bruxo e Bruxa, ou Bruxo e a Bruxa, début des années 80, 84, 85, leur façon de danser. On va parler de Bibi, qui était avec Eduardo Paim, avec les SOS. On va parler de Nelson Davaiola. Okay? Donc, ces jeunes-là qui habitaient centre de Luanda comme ville et dans la périphérie de Luanda, ils dansaient aussi différemment. Et si tu veux, tu peux partager, par exemple, la façon de Bruxo e Bruxa de danser la kizomba au début des années 80. Alors, je recherche la vidéo dans tous mes documents. Alors, ma
peur, pour être très sincère avec vous, c'est de ne pas avoir... Bruxo et Brucia, je les ai, je viens de dire un truc, vous ne vous moquez pas de moi parce que je ne l'ai pas prononcé correctement, d'accord ? Tu as bien prononcé. C'est interdit, d'accord ? Attention, j'ai une vidéo, j'espère que vous voyez tous ce que je vois. On est parti. Non, ça non, c'est non, Rebita. Ça c'est Rebita, ça. Ah. Attends. On n'est pas du tout dans le bon truc. Ok, très bien. Alors, voilà ce qui va se passer. Je vais aller récupérer cette vidéo et vous la partager sur la fin de ce live. Je vous mettrai la vidéo, je vous mettrai le lien. Parce que, alors, pour être très sincère, pour que vous compreniez, pour ceux qui nous regardent, ces deux personnes sont extrêmement passionnées et m'ont envoyé en 4 jours... tellement de documents que moi-même, alors, j'ai écouté de la Keys en boucle. Oui, ceux qui me connaissent, vous êtes surpris, mais c'est vrai. Et pour le coup, je partage tout ça avec les bons noms, les noms corrects après sur les commentaires du live. Donc, on était sur des danseurs de la génération des années 80. Des années 80, début des années 80, le début de la musique Kizomba. Et la façon de danser qui a un peu... Bon, ils étaient jeunes, ils dansaient un peu différent à notre passada. Et ils ont appelé ça Kizomba. Donc, c'était un peu différent. Mais pour dire que, à grosso modo, la danse, elle est la même que Matoche Pelé dansait, qui se dansait avant la génération de Matoche Pelé. Elle change en s'adaptant au rythme. En s'adaptant au rythme. Ça a les mêmes pas de base. Et tu vas t'adapter en s'encadrant avec l'énergie de la musique que tu es en train de danser. Donc, c'est là que tu vas jouer. Et la Kizomba particulièrement, en termes de musique, je t'expliquais pour le spectre, non? Donc, tu peux avoir une musique énergétique comme Ese Moadié, comme tu peux avoir une musique plus douce comme Processo de la Banda, tu peux avoir Chiquitita d'Eduardo Paim, tu peux avoir après Desejo Malandro de Euclides da Lomba, tu peux avoir... Donc, la musique a changé. Là, je peux te dire que la course que la musique Kizomba a pris, c'était parallèle à celle du Zouk, c'était plus love. Et dans la musique Kizomba, tu vas retrouver un truc que dans la musique Semba, tu ne vas pas trouver. Cette douceur. Je peux appeler ça douceur. On a emprunté ça, je crois que... Donc, ça, on a emprunté ça des Antilles. Okay, on a emprunté ça des Antilles. Et cette douceur qui est très caractéristique du Zouk. c'est Cardiff du Zouk. Et donc, à vite défilé quand même, hein, en Europe. Ça donne une ampleur plus importante à la Kizomba. Parce que dès que la Kizomba va devenir douce, tu dois t'adapter à la façon de danser aussi douce. Tu vas ajuster la passada à cette douceur. Et donc, le Semba n'a pas ça. Oh, okay, donc, attention, je mets une petite pause sur ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. Alors, sachez que dans les prochains lives, j'aurai un bouton marqué pull up pour qu'ils puissent répéter des phrases aussi importantes. Oui, ça c'est ma façon de faire, ne t'inquiète pas Paolo. Pour tous ceux qui écoutent et regardent, vous avez très bien entendu ce qu'il a dit. Vous adaptez la façon de danser à l'énergie de la musique. Dans tous les prochains lives sur les prochains styles, vous allez entendre ça très très souvent. On est sur un moment d'histoire et de pratique de la danse. C'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. La danse est la même, mais une génération s'est adaptée à une musique. Je ne vais pas donner mon avis personnel sur certaines choses que je vois, mais vous qui me connaissez, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Bien, c'était la petite parenthèse. Continue Paolo, s'il te plaît. Exactement. Donc, cette génération s'adapte au rythme qu'ils écoutent. Et la Kizomba avait une particularité dans son évolution.
La kizomba, elle a un spectre plus important de nos danses traditionnelles, nos danses, nos musiques angolaises, pardon, je parle de musique là, c'est que ça va, elle a tout que nos musiques ont, et en plus, elle rajoute cette douceur qu'il partage avec le zouk. D'accord. Ok? D'accord. Donc, et quand tu vas t'adapter sur cette douceur, ta façon de danser change quand même. Les pas sont les mêmes, mais ta posture, ton élégance, et tu vas rajouter une, et comme si c'était une, j'avais un nom pour ça, c'est pas une vague, mais bon, il y a un, tu vas un peu, c'est un mouvement un peu comme ça, quoi, c'est normal de retrouver ça au zouk. Donc, une chaloupe. Dans la danse, tu vas retrouver ça aussi. Très bien. Ce que j'aime pas, c'est réduire la kizomba à ça. C'est ça qui me fait vraiment mal. Ok? Les gens réduisent la kizomba à lenteur, à douceur, à séduction. Et c'est pas vrai. La musique kizomba, elle est aussi riche que la musique samba et plus. Parce qu'elle parle des problèmes sociaux. Elle parle principalement d'amour. Oui, elle parle des fêtes. Elle parle des problèmes dans les relations humaines et tout, comme le samba. Le samba, très rarement, va parler d'amour pur. C'est rare. Le samba a toujours un truc à te rapprocher. socialement, non, mais vraiment. Même s'il parle des filles, il va dire cette fille, elle veut habiter dans un appartement, elle veut de l'argent, elle veut mon argent, elle veut un truc comme ça. Et c'est un truc problématique toujours dans le samba. C'est une lutte. Il va dire, ouais, allez-vous-en, laisse-nous en paix, foutez le camp parce que nous, on veut notre pays, c'est la révolution. Et le samba va être comme ça. Le samba va te faire pleurer parce que quelqu'un est décédé, regardez, j'ai perdu mon enfant. Allez, ça. La kizomba peut faire tout ça, mais va aussi se concentrer du côté... Voilà quoi, la guerre est terminée, à Luanda on est en paix, voilà, on va faire un peu la fête, quoi. On va parler de joie, on va parler de paix, on va parler d'amour, on va parler des jolies filles. De la vie qui reprend. Exact, de la vie qui reprend, exactement. Mmh. Exactement. Donc la kizomba va faire ça. Et quand il va faire ça, son rythme, quand il va encadrer ça, la façon de danser, va s'adapter à ça, va avoir une composante douceur que les autres rythmes n'avaient pas. Mais elle a tout le reste aussi, n'oubliez pas, elle a tout le reste. Aussi par rapport à la danse, donc la génération des compétitions, c'était la génération de Matoche Pelé, mais après la génération des années 80, ils ont eu beaucoup de compétitions. Mais vraiment, c'était par rapport à la danse. C'est là où on a eu vraiment le boom en termes de compétition parce que c'était dès qu'ils avaient un mec qui était très fort en danse, le mec de notre région, là, dans notre municipalité, dans notre quartier, il va venir pour faire un combat avec la personne qui danse bien de mon quartier, par exemple. On va avoir quelqu'un du Prenda venir au Sambizanga, qui est mon quartier, parce qu'il a entendu que je suis très fort quand je danse, je suis un très bon danseur. Donc, ils vont danser et compétir à cause des filles aussi. On ne va pas s'en cacher. Pour la femme, pour le pouvoir, voilà. Donc, cette génération des années 80, ils faisaient vraiment ça. La génération des bruchos et bruchas, il y a eu beaucoup de compètes, vraiment beaucoup de compètes. Et la compétition fait du bien pour faire grandir les choses. Ouais, oui. Le niveau augmente, tu es obligé. Et il y avait... plusieurs. Et c'est triste que comme danseur, on a perdu vraiment plusieurs formes, façons de danser. Je vais ouvrir un parenthèse parce que là, en Angola, on vient de récupérer une façon de danser qui était un peu perdue, quoi. La façon d'Antonio Rosa. Antonio Rosa, c'est un danseur angolais, quelqu'un qui est déjà âgé. Et nous, les jeunes, maintenant, on danse similaire à Antonio Rosa. Donc, on a intégré la façon de danser Antonio Rosa, de faire la passade d'Antonio Rosa, parce qu'il est revenu à Kizomba Naru en 2014. Et il a dansé et on était « Waouh !» Mais c'est différent, mais on peut imaginer... Tu veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de créativité?
Ils sont plus créatifs, c'est ça? Ils sont toujours créatifs, ça continue. Je vais y arriver parce qu'on a quand même les concours qui continuent. Mais maintenant, tu as tout le monde, quoi. Tu as accès à beaucoup plus d'infos. Avant, tu es créatif à partir de rien. Maintenant, il y a des gens qui sont créatifs par intégration de pas d'autres danses. Je sais pas si c'est vraiment de la créativité. Mais quand tu vois Antonio Rosa, quand il danse, c'est quelque chose qui t'a jamais vu. C'est vraiment différent. Et c'est sa génération. Et il y avait d'autres qui dansaient aussi de façon différente. Et avec cette intégration, comme on a avec le Kizomba Narua, j'ai la tendance à voir qu'on est en train de danser un peu pareil. Quoi. On est tous, ici, nos jeunes à Luanda, on est en train de danser pareil. On est en train d'être un peu... C'est une... C'est copier-coller. Voilà. Exactement, exactement. Ça, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Voilà. Mais Antonio Rosa est venu et notre façon de danser a changé. On a intégré la façon de danser d'Antonio Rosa dans notre façon de danser. Voilà. J'ai ouvert un parenthèse. Je ferme le parenthèse d'Antonio Rosa. T'inquiète. J'ai juste une petite chose, Paolo. Pour le coup, je vais essayer de t'intégrer la suite par d'autres questions. C'est pour qu'on puisse compartimenter. Et puis surtout qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va essayer de faire quelque chose. Mais pour le coup, deux choses. Première, il ne pourra pas tout raconter. Là, on pourrait rester 2 heures à en parler parce que même moi, là, j'ai des questions qui me viennent. Mais n'hésitez pas à le contacter, à poser les questions dans les commentaires. Poser des questions sur la suite dans des commentaires, sur les noms, sur les références qu'il a données, pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que c'est. J'ai vu une question très, très intéressante de Hati, par exemple, sur la compétition. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions comme ça. Je veux préciser une deuxième chose avant de poser d'autres petites questions et d'intégrer Cathy aussi, parce que j'ai besoin de son avis sur 2-3 petites choses. Il a parlé d'une différence d'énergie dans le corps. Pour ceux qui suivent mes activités, qui suivent mes articles, qui suivent mes éléments sur l'anthropologie de la danse ou qui ont pris des cours, des conférences avec moi, je vous ai parlé du pas de bourrée et de la différence d'énergie qui fait qu'on change de style de danse. Et pourtant, nous avons exactement le même pas. Alors là, bien sûr, historiquement, on a un spectre plus large, mais c'est exactement ça. Il a parlé de l'adaptation à la musique qui a changé l'énergie, même si on a gardé les mêmes pas. Et du coup, ça a plus ou moins donné un autre style de danse, même si on garde les mêmes pas. Moi, je trouve ça très important qu'il ait précisé. On reste dans ce spectre-là. Je vais poser d'autres questions. Je voudrais qu'on arrive à 2 petites choses. Aujourd'hui, parler d'aujourd'hui, de ce qui se passe, mais je voudrais qu'on fasse un comparatif entre ce qui se passe en Angola aujourd'hui et ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Je vais poser cette question à partir de moi, mon observation. En tant que passionné de salsa, de baile des casinos, j'ai eu une perception de la kizomba qui me paraît, au vu de ce que tu racontes, faussée. J'ai eu une perception de la kizomba qui me paraît, au vu de la musique dont tu me parles, faussée. Alors, je ne sais pas si le terme faussée est bon, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait le même état d'esprit, je n'ai pas l'impression qu'il y ait les mêmes... Alors, qu'il y ait les mêmes pas, pourquoi pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait la même énergie, la même envie, le même but quand on danse la kizomba, de ce que j'ai observé les premières fois. En tant que salsero, et en tant que salsero, comme beaucoup d'autres, on a fait 2 pas en arrière par rapport à la kizomba, on s'est dit, oula, non, ça, on ne veut pas y toucher. Je voudrais que, très rapidement, tu me donnes, Paolo, ton observation de l'Europe du point de vue de l'Angola, et que Cathy, toi, ton expérience en tant qu'Européenne qui est tombée amoureuse de cette culture, et qu'activiste dans cette culture, que tu me dises ce que tu en penses. Alors, pour le coup, je ne demande pas des réponses objectives. Je demande votre avis en tant qu'expert. D'accord ? Donc, Paolo, est-ce que tu peux me donner ton observation de l'Europe aujourd'hui dans la pratique de la danse ? Peut-on,
Peut-on commencer par Cathy, juste... D'accord. Ça va être plus court, voilà, je crois que... c'est sûr. On peut commencer par Cathy. Vas-y, madame. Moi, alors déjà, je ne suis jamais allée en Angola, donc je n'aurais pas la prétention de dire, d'avoir de points de comparaison. C'est juste que je suis tombée totalement amoureuse avant tout de la musique. J'ai commencé par apprendre, je viens de la salsa, donc j'ai commencé par apprendre un peu en dansant la kizomba sur du ghetto zouk, on va dire, et je suis vraiment tombée amoureuse de la musique. Moi aujourd'hui, pour faire un raccourci très très court, aujourd'hui, je me suis mise à organiser des événements parce que en France et pour élargir un peu en Europe, je me retrouvais pas à la fois ni sur la musique ni sur la danse. Je trouve que globalement, comment on danse la kizomba et comment on la considère, c'est effectivement très loin de ce que je viens d'entendre, par exemple, de Paolo. Moi, je viens de la salsa. Et combien de fois on m'a dit, venant de Salsero, « Ah, tu danses la kizomba !» Enfin, c'est pas la honte, mais c'est limite, en fait. C'est un peu limite parce que les idées qu'on a aujourd'hui de la kizomba, c'est à l'opposé. C'est l'antipode de ce qu'elle est dans sa nature même, au départ. À la base, c'est du lien social, c'est danser en famille, c'est faire la fête. C'est pas seulement danser sur un carreau, comme j'appelle faire du carrelage. C'est pas être dans des salles où on éteint les lumières. C'est au contraire, c'est lumière vive, sourire, couleur, dans les tenues, l'élégance, la posture. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement et c'est pour ça que j'ai voulu organiser. J'ai voyagé dans pas mal de pays d'Europe. C'est vrai que le premier pays, et à juste titre, sur lequel en Europe je suis tombée amoureuse de la kizomba, c'est Lisbonne. Voilà, à Lisbonne, c'est là où j'ai découvert ce qu'était, entre guillemets, je pense à la discothèque mongolée, où c'était une vraie soirée kizomba, qui pour le coup, on ne dansait pas que sur de la kizomba. On danse, il y a de la musique brésilienne, il y a du samba, il y a de la kizomba, il y a du zouk rétro, il y a du compa, il y a de tout. C'est une vraie pluralité musicale, même si les pas sont les mêmes, les pas fondamentaux sont les mêmes. Je danse à m'engoler toute la soirée avec ma passada, avec quelqu'un qui va voir mon âge, quelqu'un de plus jeune ou même quelqu'un de beaucoup plus vieux. Et moi, c'est ça qui m'a manqué en Europe et qui me manque parce que c'est pas la kizomba qu'on danse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne devrait pas utiliser le mot kizomba dans ce qu'on appelle des soirées kizomba. C'est pas de la kizomba. Okay. En fait. Très bien. Alors, avant que Paolo y aille, je voudrais juste renoter un truc, une phrase que tu as dite, qui pour moi est importante parce que j'ai souvent entendu le débat, alors je voudrais éclaircir. Elle a bien précisé qu'on peut danser le passada, la kizomba, sur du zouk. Parce que moi, le premier, et comme plein d'autres, ayant de gros stéréotypes sur la kizomba, je me suis outré de voir des gens danser la kiz sur du zouk ou du compa. Parce que je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, et puis notre culture, et comment, pourquoi vous faites ça, etc. Donc on est d'accord que l'on peut, et qu'il n'y a aucune interdiction, ne serait-ce que culturelle ou traditionnelle, à danser la kiz sur de la perfecta. Je voulais noter ça, j'ai trouvé ça très important. Merci Cathy d'avoir précisé ça. Parce que c'est vrai que, et je l'avoue, je m'en excuse, moi-même, je me suis outré sur des vidéos de dire comment ils osent manquer de respect envers ma culture. Donc, merci beaucoup. Paolo, très bref mot, après j'ai une dernière question. Et puis voilà, après il y aura... je donnerai rendez-vous à tout le monde pour les prochaines éditions. Donc, Paolo, ta vision de l'Europe aujourd'hui, là-dessus, sur la danse La vision du pays est la mienne. Bon, du pays, on n'est pas content de ce qu'on voit. Au pays, ils n'aiment pas. C'est de façon unanime. Les gens, quand ils voient ça, il y a d'autres qui ont seulement accès à Facebook maintenant et... Ils commencent à faire des guerres sur Facebook qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 11 ans. Et quand je vois ça, je dis, oh, arrête, ça ne va rien changer. Et laisse les gens et c'est la vie. Quoi. Et c'est un phénomène un peu
qui c'est pas seulement avec notre culture, notre danse, c'est un peu partout, avec les danses de l'Amérique, donc de la bachata, comme la salsa, le zouk au Brésil. Donc il y a un peu, c'est un peu partout, donc on peut pas beaucoup toucher. C'est ce que je dis aux autres. Perso, il y a des choses que j'aime dans la façon que les jeunes en Europe ont créé leur truc. Ils ont quand même fait leur truc, parce qu'ici en Angola, les danseurs ne nous regardent pas bien, ne nous prennent pas, ils font pas de la promotion ou promulgation, je sais pas. On n'est pas mis en évidence, voilà. Et en Europe, vous avez créé un système avec votre propre... Le mec là, il est le musicien dans sa chambre, son ordinateur, il fait la musique, il y a les danseurs, il y a tout. Cette vision, j'aime qu'ils ont créé leur propre truc. Mais après, c'est devenu très technologique, quoi. C'est un truc, je vais dire, sans âme, des fois. Ça... C'est vraiment dans 2 ans, le truc a complètement changé, complètement. On ne se reconnaît plus que c'est quoi cette danse. Et ça, je n'aime pas personnellement. Parce que pour nous, la danse est la même. Comme je disais, je danse avec les dames avec 80 ans d'âge. Donc, c'est quand même la même danse. Et je vois que ça, c'est dommage, par contre. Mais je crois aussi que c'est la réalité. Et il n'y a pas beaucoup qu'on puisse faire. La façon que j'ai choisi, c'est de mettre en évidence ce que j'aime, ce que je crois. Okay? Donc, si les gens commencent à mettre en évidence ce qu'ils aiment, ce qu'ils croient, ça, c'est plus important. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec Cathy. Dès qu'elle peut, parce que je vois sa façon de travailler, et ça, ce qu'elle croit, et c'est ce que je crois. Donc, dès que j'ai la chance de travailler avec Cathy ou d'autres organisateurs qui mettent en évidence la culture que je défends, la façon de danser que je défends, je suis avec eux. Parce que l'Europe... Ça ne va pas changer. C'est leur truc, ça apporte de l'argent et ça apporte du pouvoir, ça apporte des filles. Ce sont les 3 choses qui font. Ça ne va pas changer. Donc, je respecte quand même, je n'ai aucun problème avec personne. Fais ce que tu aimes, mais moi, je vais défendre ce que j'aime avec tout le respect, avec ce que les autres font, dès que ça ne me touche pas, quoi. Ça écrase pas mon espace. Voilà. D'accord. Alors, on arrive à la dernière question. Je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui écoutent, toujours. Les questions principales sur l'histoire et la pratique de la quise, c'est fait. Je voudrais poser une question. Excusez-moi, Jérémy. Oui. Il y a un truc qu'il faut quand même que je partage là, sur la façon européenne et africaine. Ah. Et pour moi, c'est la partie la plus importante de cet entretien, interview. Je crois que les gens dansent sans les bonnes raisons, quoi. En Europe, les gens dansent sans avoir les bonnes raisons. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ici, en Angola, on danse pour guérir nos souffrances. La kizomba, elle doit devenir un patrimoine immatériel de l'humanité. On va lutter pour que ça devienne ça. Donc, quand on dit la kizomba, c'est tout ce que je viens d'expliquer, la passade en soi et la musique et tout. Le semba est déjà là. La pétition pour le semba est déjà sur la table. Mais on va faire la même chose pour la kizomba, parce que avec la kizomba, on a guéri nos blessures, quoi. On était en guerre civile. La guerre civile s'est trouvée pire que la guerre contre la colonisation, parce qu'on s'est tué entre nous, entre des ethnies, entre tout. Et pendant la guerre civile, c'est la kizomba qui nous a quand même donné la force. C'est une caractéristique vraiment particulière dans nos peuples. C'est que il y a de la guerre un peu partout dans le pays, mais chez toi, dans ton cours, il y a la musique qui zomba, on va être ensemble, je ne sais pas comment dire, faire un câlin, mais la prose commence en portugais, on dit abraçar, donner un câlin. S'enlacer. S'enlacer. On va s'enlacer, voilà, on va s'enlacer,
et on va bouger ensemble. Et ça guérit. Ça guérit vraiment beaucoup de problèmes. C'est quelque chose de spécial dans ce peuple parce que jusqu'à maintenant, on est en train vraiment de souffrir. Et la danse, elle nous aide. La musique et la danse nous aident à survivre. C'est particulier. Il y a aussi le côté sensuel, sexuel, quand tu vas en boîte de nuit, quand tu veux draguer une fille. Il y a aussi. On ne peut pas éviter, ça fait partie on est humain. Et dès qu'on danse, on casse toutes les autres barrières. C'est trop facile après. Tu n'as même pas besoin de parler des fois. Dès qu'il y a une vraie connexion, tu es avec quelqu'un et tu commences à bouger, tu ressens... C'est magique. Des fois, tu tombes amoureux deux, trois fois dans une... ça existe aussi, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Et malheureusement, je vois qu'en Europe, ils ne regardent... Ils regardent que ça, ce n'est pas l'idée maîtresse c'est, de la c'est danse. Triste, c'est triste. Il faut danser avec sa sœur, avec sa mère, avec sa tante, avec ton cousin. Avec... Et vraiment bouger ensemble et être heureux, même quand tu es mal, quand tu vas mal. Et c'est ça le pouvoir de la kizomba. Aussi, pour si tu es blessé dans ton cœur parce qu'il y a une relation qui ne va pas... tu viens de finir une relation, si tu danses la kizomba, si tu danses le semba, ça peut guérir. Hein? C'est pour ça que Carlos Buriti a chanté « Amor que doy castiga ».« Amor que doy castiga ». Si tu veux oublier et ne pas souffrir, viens au semba. Ce semba-là, c'est aussi kizomba, en fait. C'est la même chose, ok? Viens écouter cette musique, viens danser cette danse et ça peut guérir. Ok? Il faut utiliser cette danse comme ça. Et la c'est danse pour ça thérapie. Que je te dis que c'est la danse la plus puissante au monde. C'est à cause de ça. Parce que ça guérit vraiment. Ça a guéri notre peuple. Et c'est à cause de ça qu'on veut l'utiliser pour devenir un patrimoine immatériel de l'humanité. OK? Yes. On regarde ça de ce côté principalement. Et j'espère bien que les gens en Europe, un jour, ceux qui veulent... Prendre conscience. Exactement. Prendre conscience du pouvoir de cette danse et l'utiliser de la bonne façon. Pas seulement le côté sensuel... Et aussi le côté de guérir et d'être vraiment la vraie puissance de cette danse. Voilà. Achet. Merci beaucoup. Yes, c'était extrêmement important. Alors, pour le coup, petite question. On va essayer d'aller rapidement sur la réponse à cette question. Et c'est une question qui est plus... Alors, qui n'est pas dans rester dans la partie histoire, mais je voudrais éclaircir un petit point sur une histoire, rumeur, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Et en tant qu'Antillais, en plus de Martinique, ça me touche. J'ai toujours entendu que la kizomba existe grâce au groupe Kassav. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'influence, forcément, puisque tu as parlé de l'influence des différentes musiques, mais je voudrais que tu donnes l'histoire vue par l'Angola et pas vue par des Antillais de qu'est-ce qui s'est passé avec Kassav. Et est-ce que Kassav a vraiment un lien important dans la création, dans l'influence, dans ce qu'est la kizomba aujourd'hui? Quel est le lien entre Kassav, s'il y en a, Kassav et la kizomba? Pour l'Angola, pour Eduardo Paim, non. Non, non, c'est pas Kassav. C'est Coupé Cloué. C'est plus important que ça pour les aiglons, c'est aussi important, c'est expérience 7, c'est important, c'est pas ça, ça vient après. Pour la j'ai pour pas la, le bouton, la génération c'est le bruit pull-up. Je n'ai pas. Mais alors les noms qu'il vient de dire, les aiglons expérience 7, j'ai envie qu'il y ait un Jamaïcain qui arrive et qui crie pull-up. Ce sont des noms très importants qu'on ne connaît pas, on en parlera avec la partie sur le zouk. Le 1er mars, mais les noms qu'il vient de citer là sont extrêmement importants et pas... Ils sont trop forts. Ouais. Ils sont trop forts. Ils sont... Non, mais vraiment, vraiment. Ils sont... Merci. Jusqu'à maintenant. Non, les Antilles te remercient. Il faut quand même reconnaître que pour la création,
c'est pas le Zouk qui a joué. Par contre, pour le, pour l'évolution, il faut quand même comprendre que le Zouk Love a quand même guidé un peu le chemin que la Kizomba a pris après. C'est pas pour la création, c'est l'évolution. C'est le côté sensuel que le Zouk apporte, ça a quand même élargi le spectre de la Kizomba. Et je parle pas seulement de Kassav, on peut parler de Gasoline, on va parler de Tania Sanval, okay, on va parler de Tania Sanval, on va... c'est là quoi, c'est ce côté love qui a changé, parce qu'après, après j'espère bien que tu me donnes 2-3 minutes pour expliquer un peu ce qui s'est passé depuis les années 90 jusqu'à maintenant, ou année de 2010, je peux résumer un peu en termes de musique et danse. Mais Zouk et la Kizomba, ils partagent beaucoup. Déjà, j'imagine que Zouk, ça veut dire fête, n'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un dire que... Alors, on précisera effectivement, mais en très résumé, c'est ça. Le Zouk, à l'origine, c'est une fête chez nous. Bah voilà, Kizomba, c'est une fête. Et, et après, Zouk a quand même joué un rôle important sur l'évolution de la Kizomba, mais pas sur la création. OK? Parce que toutes ces influences qui venaient des Antilles... je crois que j'ai partagé avec toi la musique Gasoline Lervé de 1985. Oui. C'est on appelle ça le zouk des zouk quoi. C'est, et tu peux en Angola on a un musée du zouk. C'est musée qu'on dit? Oui. Museum. Oui. Avec une statue on a un musée de Pierre-Édouard Décimus devant. Martinique, Guadeloupe, je ne sais pas si ça existe un musée du zouk, mais en Angola on a et on voit la musique zouk comme un peu comme la nôtre quoi. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Ah, cette chanson. Alors, tous ceux qui regardent et qui écoutent, calmez-vous. Ah, ce son, c'est... Là, les oiseaux, au début, les oiseaux. Aïe aïe aïe. Les oiseaux, là, là. Vous avez la référence. Ne ratez pas cette référence. Non, non, non. Ça, c'est une chanson de 1985. En 85... Zouk comme ça, bah, on fait la musique Kizomba comme ça beaucoup après. Quoi. Ça, oui. C'est vraiment quelque chose qui a joué un rôle dans notre façon de danser même. Et donc, on reconnaît l'influence du Zouk et on a le Zouk comme si c'était à nous. Parce que c'est très similaire avec ce qu'on fait. On a la musique des Antilles comme si c'était à nous. On a le compas comme si c'était à nous parce que c'est similaire. On ressent que... C'est quelque chose de nous qui est parti et c'est revenu. Et en termes de matricia, la matrice de la musique Zouk, c'est quand même la musique africaine. La matrice de la musique antillaise, c'est quand même l'africaine. Quoi. Donc, c'est comme un retour aux origines. Ça on ne peut pas nier. Ça. Même, ouais, voilà, c'est la façon qu'on se ressemble, même en termes d'apparence. Moi, j'étais déjà à Guadeloupe, j'ai vu le... Le peuple là, moi j'étais comme un Guadeloupéen là. On se ressemble vraiment beaucoup et là, je crois que la musique qu'on fait, elle se ressemble aussi. Et voilà, donc on a la musique des Antilles, on a le compas, on a le zouk, on a le cadence, comme si c'était à nous vraiment. Jusqu'à maintenant, Guilou, tous ces chanteurs, ils viennent ici, les Kassav viennent ici, ils remplissent un stade. c'est énorme pour nous, ça a changé nos vies. On reconnaît toutes ces influences, mais ce n'était pas l'origine. On avait déjà les rythmes là et ils nous ont quand même aidés à mélanger et à enrichir. Voilà. Okay. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, à nos deux intervenants, merci à tous ceux qui ont regardé. Je voudrais quand même faire le petit résumé là de. On est des jeunes. T'avais dit, Jérémy, je t'avais dit. J'ai plus le temps. J'ai parlé des anciens, j'ai parlé des bruches et bruches, j'ai pas parlé de la nouvelle génération parce que la créativité elle est toujours là en termes de danse. Si je dois dire quelques noms là, juste regardez les vidéoclips de Euclides d'Alomba, de Zéjo Malandro, où il y a Cathy Diaz et Rob Diaz qui dansent, qui montrent en 1998, ils dansaient la musique Kizomba, la danse Kizomba sur la musique Kizomba. Après, 10 ans plus tard, on a eu Kala du Show qui dansait sur je crois c'est un merengue qui dansait la Kizomba et il faisait le show
OK. Après, en 2009, on a eu un grand champion, un génie de la danse, c'est Dilson Kizomba, avec Bernadette Mabungu. Ce couple-là, c'est quand même spécial pour la danse angolaise parce que c'était le premier concours Africa Dansar en Angola. Et donc, ils ont gagné ce concours clairement. Et Dilson et Bernadette sont quand même spéciaux. Ils sont vraiment énormes. Après ça, j'ai connu aussi Bonifacio, qui est maintenant, il est aussi un chanteur maintenant. Donc, Bonifacio Aureu, ce garçon, c'est un autre génie de la danse angolaise. C'est quelqu'un d'un niveau incroyable. On a Nelson Lima, on a les jeunes. Maintenant, je suis devenu un juge de ce concours de danse. Et je te dis, il y a des jeunes. La danse continue à évoluer, à être enrichie. Et ces jeunes font un boulot incroyable. Je te dis qu'il y avait Antonio Rosa qui est revenu en 2014 et nous a montré sa façon de danser. Et on a intégré, c'est le travail que Nelson Lima a fait. Il a fait la meilleure intégration de la façon d'Antonio Rosa de danser. Et c'est énorme. Donc, la danse continue. Les jeunes sont aussi créatifs. Et voilà, donc ça continue. La musique, pareil. La kizomba est plus riche avec... la façon de Kiako Kadaf de chanter, qui revient en la façon problématique, beaucoup d'instrumentaux, c'est pas seulement le côté love. Tu peux écouter Monica, comme tu peux écouter Douin Sage de Bosso. Donc, ça continue et c'est joli. Ok. Alors, je veux pas nier aussi l'influence dans les années 90 des Cap-Verdiens, de la Guinée. Avec la Banca Jazz, donc avec Monique Seka, la Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup. Il faut vraiment pas se limiter à ce qu'on entend en Europe. Voilà. Il y a des vrais chanteurs. Je...